Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors, on va continuer l'aventure de Ratchet & Clank Rift Park. Donc, ce que j'ai fait, bien sûr, hier, pour ceux qui étaient là en direct avec moi. Donc, j'espère que ça va vous faire plaisir de continuer cette aventure. On était avec Rivette et Clank. Donc, c'est parti, sans plus attendre, commençons. Alors. Alors, maintenant, ce que je vous ai pas expliqué hier soir, j'ai complètement oublié ou à un moment donné dans la partie de hier soir, si vous vous souvenez, j'avais pris un quelque chose qui s'appelle du ah, je sais plus le nom maintenant. Ça me reviendra. Je crois que c'est du ruthénium ou je sais plus, enfin un truc du style. Enfin non, je me souviens plus. Test radio, test. Les robots ont dû suivre les chemins balisés. Je suis sûr qu'ils écoutent ce qui provient de ces choses violettes. Alors. Les secousses sont de plus en plus fortes et plus fortes. Prudence. Évitez de trébucher, de glisser ou de casser quoi que ce soit. Alors, ce qui va se passer, c'est que en fait, c'est ce que j'ai pris. Que j'ai pris comme c'est pas faux. Bonjour Zelda 1894. Je veux dire. Où devrais-je réagir, Madame Koloff? Donc voilà. J'aurai justement cette pièce qui s'appelle le. Je suis en surchauffe. Si seulement je pouvais transpirer, je dois fuir. Je vais lui envoyer un signal pour qu'elle revienne. Je vois qu'elle a intercepté un fichier audio. Je le décoderai au plus vite. Il y a un ancien labo un peu plus loin. Connaissant Jim, c'est là qu'il a dû se rendre. Entre le gros et la sourde. Jim ? Ah, je vois. Si vous laissiez tomber, franchement, ça m'arrangerait. Non, j'ai pas envie. Enfin, Rivette ne doit pas abandonner, ce serait dommage. Comme on dirait. Donc là, je vais nous changer de monde. Oui.
va aller récupérer un peu de vie afin de finir ce que je dois faire. Alors, je sais plus où je dois aller maintenant. Peut-être qu'elle fait référence au protocole de sécurité. J'y suis moi-même assez réfractaire. Il peut s'agir de n'importe quoi. Ah oui, je dois retourner là. Non. Non plus. J'ai juste un petit blanc, je suis désolé. Ah oui, c'est bon. Je me souviens ce que je dois faire. Identification, entité non hostile. Bonjour, êtes-vous ma nouvelle meilleure amie ? Non. Tu devrais plutôt rejoindre... Oh, merci ma chérie. Alors, je prends tout ce qui est au niveau argent parce que ça pourra nous aider plus tard, soit pour acheter des nouvelles armes, soit pour améliorer. Donc là, je reprends pour aller dans l'autre dimension et je dois retourner dans cette salle afin de pouvoir de nouveau reprendre. Et voilà, maintenant, je vais chercher le dernier, donc... Bien, pas oublier de prendre, c'est surtout toutes les caisses, faire un maximum. Même si vous avez des vies, c'est important. Donc là, vous voyez, j'ai nouveau des vies. Allez les reprendre, c'est important. Je voulais vous montrer ce que je devais aller chercher. Le ruthénium. J'ai. Voilà, je. J'irai après, vous verrez pourquoi. Là et là, on va de nouveau remettre dans le monde actuel. Les plateformes de forage, du moins ce qu'il en reste. Je suis prête à parier qu'il y a des failles encore. Vous trouverez forcément les robots. Là, je refais de nouveau mon combat. Ah, vous voyez, là, j'ai bientôt plus de batterie. Ah, vous savez quoi? Je vais aller vite chercher ça pour vous expliquer ce que c'est. Voilà, on va laisser. Comme ça, vous savez un petit peu ce que c'est. Voilà. Donc, ces choses bleues, c'est du raritanium. Ça veut dire que ce raritanium va me servir à pouvoir améliorer mes armes. On va dire les armes que j'ai dans le nous
nous avons atteint la plateforme. Mais le robot en état de marche se trouve dans la dimension intacte. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui nous échappe. Donc le ruthénium, il faut, enfin, le, ce que je vous ai montré, c'est vraiment parce que je vous montrerai pourquoi je le fais. Alors. Ah, voilà. Vous voyez, il me manquait quelque chose. Et ensuite, on reprend. Exactement. Je suis totalement d'accord avec Clank. Donc là maintenant, je remets ça. Comme ça, j'ai le temps de retraverser. Et voilà. Allez. Un petit cadeau en provenance de ma dimension. Je vais vous faire un plaisir de le réduire en bruit. Allez. Bah, j'ai pas réussi la première fois, mais j'avais jamais la première, c'est pas facile. Allez, vite de batterie, vite. C'est pas grave. On va prendre les bombes de immersion et... Dommage, j'ai pas réussi, c'est pas grave, on retente le coup. Provenance de ma dimension, et je vais me faire un plaisir de le réduire en deux.
Là, ce qui est pas facile, je vous expliquerai pourquoi après le combat. Ce qui est pas facile. Ah, attendez, j'ai fait une erreur, je dois prendre ça. Là maintenant, allez voir ce que je vais faire. Le paratonnerre. Ah, j'aurais pu l'avoir ce coup-là, je ne l'ai pas eu. Désolé, désolé. Oui, j'ai déjà pu bien descendre. Allez, on va prendre des foreuses. Voilà, j'ai réussi. Voilà, ça me fait plaisir. C'est jamais facile les combats dans ce jeu. Petit instant. Donc ouais, comme je vous explique, hein, c'est jamais facile. Alors, on va suivre ce petit robot maintenant. Bonjour, êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? D'accord. Oui, de bonne heure. En cage d'amitié, je vous conduis à la foreuse dédiée à l'extraction de quartz phasique. Voilà, donc quartz phasique. Et après, on sera
à peu près dans le même. Cette anomalie dimensionnelle est identique à celle que nous avons vue sur Sargasso. Cool, ça veut dire que tu peux t'en charger. Vous vous souvenez de Sargasso? Comment ça? On va questionner mon meilleur ami. Je ne souhaite pas vous alarmer, ou si je n'en dirai pas davantage. À la place, interlude musical. Personne n'utilisera la foreuse tant que le système de lubrification sera bouché. Que diriez-vous d'aller au karaoké ensuite? Oui, alors je sais pas si c'est vraiment l'endroit d'aller au karaoké, moi. Problème dimensionnel? Je m'en occupe. C'est ici que nos chemins se séparent, mais nos arts ne resteront à jamais. Bah, je vais quand même vous montrer. Je viens de voir Ratchet sur sa valise. Vraiment? Et comment va-t-il? Bien. Je le pensais. Il est parfaitement heureux. Mais où je dirais? Tes possibilités attendent que tu les guides jusqu'au méta-terminal. Avec un tel vent, mes possibilités sont dans l'incapacité d'avancer. Existe-t-il un moyen de les tester? Oh, une sphère de poids. Elle alourdit tous les objets qu'elle touche. Ce qui paraît évident. Voilà de quoi rester tête. Je suis curieux. Qu'y a-t-il dans votre livre? C'est le recueil de savoir le plus actualisé de l'univers. Tel que constitué par mon père. Qui est votre père? Appelle le plombier. Le plombier, c'est votre père? Et que devient-il? Il est parti en vacances. Pour la première fois. Il m'a laissé les clés et j'essaie de faire de mon mieux. Mais c'est une énorme responsabilité. Et d'où vous vient ce titre de prophète? Non, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ce sont les moines de Savali qui me l'ont donné quand je les ai aidés à déchiffrer une partie de leurs archives. Comment les y avez-vous aidés? Oh, tout ce que j'ai fait, c'est énumérer ce que j'ai vu. C'est un annuaire téléphonique blarguien. C'est une dent de Kershaw. C'est un poème romantique de Terraclon. Alors, j'ai oublié de faire quelque chose. Alors, il faut que j'écoute ça, car c'était tout simplement phénoménal. Voilà ce qu'il me reste à faire. Je vais vous montrer ce que c'est. Comment ça se passe avec Rivette? Ça va, elle a piraté mon cerveau pour fouiller ma mémoire. Ainsi que s'occupent les jeunes de nos jours. Je me sens tellement vieux d'un coup. Ce qui est intéressant, c'est que Ratchet et Rivette sont étonnamment différents pour des doubles dimensionnels. Ratchet n'éprouvait aucune méfiance à l'égard des robots quand nous nous sommes rencontrés. Rivette, en revanche... C'est peut-être la dimension qui diverge. Peut-être que tous les Ratchet des autres dimensions n'aiment pas les robots non plus. Gravité concentrée. C'est vraiment extraordinaire. Pardon si j'interromps mon processus, mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver.
Mes possibilités sont une représentation visuelle de mon esprit tentant d'appréhender la dimensionnalité. Plus je les aiderai à se frayer un chemin, et plus je comprendrai et serai en mesure de... Je réfléchissais un petit peu. Celle-ci bloque le passage. Si seulement je pouvais trouver un moyen de la baisser. Alors, maintenant, je regarde toujours où vont mes personnages. Ok, ils vont là. Ils sont tous deux très prompts à passer à l'action. Contrairement à moi, qui ai tendance à m'empêtrer dans les détails. Tu aimerais peut-être fonctionner différemment. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai que j'apprécierais de ne plus m'inquiéter autant. Nous avons une boule un peu plus près que ça. Okay.
Alors. Ah, j'ai enfin compris. J'ai enfin compris. Voilà. Là. Non. Jamais facile ces énigmes. Bon travail, Clank. Merci beaucoup. Merci à toi. Et n'oublie surtout pas la confiance. Maintenant, on s'occupe du bouchon. Ouais, parce que j'ai envoyé mes meilleurs techniciens réparer le système. Ah, youpi. Maintenant que c'est réparé, nous devrions pouvoir utiliser l'ascenseur. Cette fois, à nous le quartz phasique. Je suis désolé, mes abonnés, que ça a pris du temps. Il nous reste qu'à utiliser la foreuse, récupérer le quartz phasique et réparer le dimensionnateur. Au cas où l'occasion ne se représenterait pas, je tiens à te remercier.
C'est pas le moment de sortir les violons, Boulon. On attend encore. Alors, regarde. Ah, vous avez entendu, il a dit de sortir les boulons. De la foreuse principale. Je rêve depuis toute petite de piloter une foreuse 100 fois plus grosse que moi. C'est un rêve étonnamment concret. Plus c'est concret, plus c'est réalisable. De la foreuse. Je vais le récupérer avec mon marteau. Vas-y, doucement, s'il te plaît. Oui. Oh, sérieusement. Nous devons nous dépêcher de regagner l'autre dimension.
dans ces conditions. Tu as une idée en tête? Tu vois cette navette? Elle est grosse et lourde. Elle est pleine de carburant. Elle pourrait se transformer en bombe à tout instant. Oui, mais si on s'en sert pour percuter la foreuse, on pourrait la déplacer et l'empêcher de détruire la planète. En normal, je dirais que c'est contraire au protocole, mais vu le contexte pré-post-apocalyptique, vous avez mon feu vert! Dans ce cas, qu'est-ce que nous attendons? Bonjour, ici votre meilleur ami, Kim. Abstenez-vous de mourir, s'il vous plaît. J'ai effacé mon répertoire de bruit triste. Nous sommes devenus meilleurs amis. Pas maintenant, Jim. Un bruit triste serait de circonstance. Ah, mince. Dommage. Aussi grave que... Ça va sûrement te paraître complètement dingue, mais... Chez les Morques, des légendes parlent de quelqu'un sur Torren 4 appelé le réparateur. Si c'est démoli, le réparateur peut le réparer. Dans ce cas, nous allons vérifier si ces légendes disent vrai. J'en reviens pas qu'on ait sauvé Blizzard. Et si on réparait ce quartz phasique pour sauver l'univers maintenant? Ok, Boulon, allons trouver le réparateur. Alors d'abord, avant que je continue cette petite aventure cinématique. Vous entendez?
Je suis en train de détruire des mensonges. Voilà ce que vous entendez. De très vilains mensonges. Ils disent que cette dimension est instable, que nous sommes aspirés par un vide informe. Ah, c'est faux. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous ordonne de... J'espère que vous allez très bien, mes chers amis, chers spectateurs. Car ils sont clairement défectueux. Le docteur Nefarius ne reculera devant rien pour nous attraper. Alors... Si quelqu'un peut fabriquer un nouveau dimensionnateur, c'est bien Ratchet. J'espère que le réparateur réparera notre quartz phasique. Alors je dois d'abord aller avec... Donc jamais peur de l'avenir ? Et de toutes ces inconnues ? Si, ça m'arrive de... Sur Savali, tu m'as demandé si je voulais retrouver ma famille. Ça a été le cas, pendant un moment. Je voulais vraiment les retrouver. Mais plus je me rapprochais de mon but, ils ne sont peut-être pas comme je les imagine. Ou alors c'est moi qui suis différent de ce qu'ils imaginent. C'est juste... Enfin bref, je crois qu'on arrive. Là, ça va être une... un joli endroit. La station Kedaro est le centre de recherche secret où se trouve la seule forge à rubion assez puissante pour fabriquer le dimensionnateur. Si je comprends bien, on n'a pas droit à l'erreur. C'est bon à savoir. C'est le loupage. On dirait que l'ascenseur descend. Eh ben, j'espère que c'est pas le seul moyen d'entrer dans la station. Je l'ai dans mon viseur. Par l'entrée principale avec le verrouillage.
Explorons les environs. Il y a forcément une autre entrée. Allez, on va prendre le ricochet. Cette fois, j'ai la totale. Alors, on va améliorer notre paratonnerre. Parce que ça, on en a besoin. C'est une de nos meilleures ventes. Voilà. Ah, cette fois j'ai toutes les armes. Je le savais. Le bison a dû absorber l'excédent d'énergie libéré par le chaos dimensionnel. Nous avons basculé dans une autre dimension. Dimension abandonnée à ce que je vois. Oui, il y a de la neige, comme chez nous. L'ascenseur est là. Et voilà, je rentre dans la station. Moi non plus, je n'ai jamais rencontré ma famille. Sauf si on compte l'empereur, bien sûr. Mais dans ce cas, je doute qu'on puisse faire pire. Là, je vous informe que ça va... C'est... Ce monde-là, il est très long à faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses, on passe dans d'une dimension à l'autre, et c'est pas facile du tout. Et j'aime beaucoup ce jeu. J'espère que vous aussi, et que vous avez hâte qu'on continue cette aventure jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Kedaro existe dans cette dimension. Ça veut dire qu'on trouvera aussi la forge à Rubion, non? C'est possible. Mais tout est délabré ici. Elle ne fonctionnera peut-être pas. Mais si on trouvait un autre cristal... Voilà, je prends toujours ces choses-là. Enfin, c'est important d'améliorer ses armes. Tout ce que je peux améliorer... Après, l'arme, plus on l'améliore, plus elle est puissante. Hein. Je prends un exemple, vous jouez à Call of, vous allez augmenter des niveaux, et ben, plus votre arme va monter, plus votre arme va être puissante. Alors, on va trouver... Je fais toujours le tour de savoir s'il n'y a pas des caisses. C'est très très important. Oh non! Ah voilà, voilà pourquoi j'aime pas trop cette planète. C'est ces petites bêtes là. Ah, ceux-là c'est... Ah, il y en a partout, ouais, tu peux le dire. Il y en a encore ? Je prends toujours les boulons, on sait jamais, on peut s'acheter des armes. Mais vu que je suis au complet, non. Oh non! Oh non. Je
Je me suis trompé de cible. C'est drôle, non? Est-ce qu'il va bien? Moi, c'est Ratchet. Oh, c'est merveilleux. Bonjour, Ratchet. Est-ce que tu me cherchais? Ce serait tellement super. Je peux t'appeler Chet. Non. Mais... non. En fait, je cherche du blison. Oh, moi, je sais où aller. Mais j'ai perdu mon bras d'accès dans toute cette eau. Il faudrait pomper. Mais comment, Ratch? Comment? Calme-toi. Je vais m'en occuper. Ah oui. Vu le risque d'inondation, ils ont sûrement placé les commandes de pompage en hauteur. Ah, Radio, tu t'as pas demandé. Je m'appelle Rico. Ravi de faire ta connaissance, Rico. Je te présente Kit. Bonjour. Salut, Kit. Pourquoi est-ce que vous cherchez du blison? On essaie d'entrer dans une autre dimension pour utiliser la forge à rubion. Mais on en a une ici. Sauf qu'elle ne fonctionne plus depuis longtemps. Elle produisait des carrés vraiment marrants. T'as réussi, Ratatat. Bon. Ah, mon bras préféré, c'est par ici. Alors, ce bras d'accès est une sorte de clé. Par clé, tu entends un moyen d'appuyer facilement sur des boutons. Alors oui. Quoi? Des prisons. Oh, il y a un ascenseur droit devant qui va nous conduire à cette délicieuse prison. Là, attention, je préviens les enfants, n'ayez pas peur de cette créature. Voilà. Ça allait arriver où je pensais. Il essaie de te tuer? Voltouner. Non mais... on aura tout entendu. Et boum, voilà l'ascenseur. Je vais me servir de ce bon vieux bras d'accès pour appuyer sur le bouton. Non, non, mon bras d'accès, il ne fonctionne plus. Alors... ok, on s'en charge, Nico. D'accord. Moi, je reste ici et je vous regarde faire. Bah... oh non. Oh, je les aime pas, ceux-là. Ah oui, c'est mes amis. Ça, elle peut dire, comment? Oh oh, je suis mort. Ah, c'est pas grave. C'est pas très grave. Et boum, voilà l'ascenseur. Je vais me servir de ce bon vieux bras d'accès pour appuyer sur le bouton. Non, non, mon bras d'accès, il ne fonctionne plus. Toujours prendre ça, important pour améliorer nos armes. Ok, on s'en charge, Nico. D'accord. Moi je reste ici et je vous regarde faire. Plus vos armes seront améliorées, plus vous serez plus puissant. Et vous montez aussi en expérience. Allez, allez, vas-y, Ratchet, maintenant. Bon. Ouh, j'ai eu peur. Ratchet, la grosse, la grosse. Oui, c'est sympa de me dire la grosse, elle est... elle est gentille, mais des fois, ouais.
ascenseur. Je vais me servir de ce bon vieux bras d'accès pour appuyer sur le bouton. Ah. Ah oui, Brico, c'est celui qui va nous suivre pendant tout le long qu'on est dans la dimension avec le... Divi, vite. Merci. Pas envie de mourir ce soir, moi. Encore, mais ça va aller. Ah, mais... Voilà, elle continue à dire la grosse. Si vous êtes témoin... Oh, des bébés. Il a pas tort là. Alors, on va essayer de trouver des caisses. Là maintenant, je vais prendre le temps de réparer l'ascenseur. Très très important, toujours se soigner. Oh non! Non, j'ai pas envie de tout recommencer. Quoi? Loin. Merci. Voilà. C'est parti! Hachetti, il serait temps de monter dans l'ascenseur sans vouloir te stresser. Oh, c'est bon, hein, Ratchetti. Attention, n'ayez vraiment pas peur, les enfants, c'est important. Je veux pas que vous fassiez des cauchemars à cause de moi. Parce qu'après, c'est... ça va me retomber dessus. J'ai pas envie. Ah, bah voilà, Simpson Nancy, ça fait peur aux enfants. Alors, j'ai pas envie. Vous comprenez ma douleur? Je crois que le moment est venu de se dire au revoir. Merci du coup de main, Brico. Là, je peux me soigner. Voilà. Une autre dimension ? La forge à Rubion se trouve droit devant. Alors on va arrêter pour ce soir parce que j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu. On verra s'il y aura bientôt un prochain stream dans ces prochains jours, mais je pense que oui. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur la chaîne de Simpson Notice. Allez, bien, à bientôt.